Alors ça y est, Origine lance enfin son nouveau vélo Axom. On l'attendait depuis longtemps, surtout depuis la sortie du Fraction l'année dernière. Alors ce tout nouvel Axom, il surprend. Il surprend et il rassure aussi. Il rassure les technophiles, il rassure les cyclistes qui étaient désireux des dernières technologies en date, notamment l'intégration complète de la câblerie, notamment les lignes plus aérodynamiques, au niveau du cadre évidemment. Mais il rassure aussi les cyclistes désireux de rester sur des vélos classiques, puisqu'il ne cède pas à toutes les sirènes du marketing. Il rassure et il reste fidèle à l'esprit Origine, notamment au niveau de la ligne. Vous le voyez, il conserve son tube supérieur qui s'affine au niveau de la liaison avec le tube de sel. Et puis, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, il reste aussi évidemment, et c'est le plus important, fidèle à l'esprit Origine au niveau du comportement. Alors techniquement, qu'est-ce qui change? Vous le voyez déjà, intégration totale de la câblerie, intégration du serrage de tige de sel. Ça, c'est ce qui se voit. Ensuite, au niveau du layup, il y a eu quelques changements. Origine avait développé la technologie Unix Matrix Layup pour le vélo qui est juste derrière, pour l'ancien modèle, l'Axom RS Evo et l'Axom GTR Evo. C'était un procédé qui optimisait énormément le moulage du cadre et qui permettait d'avoir un triangle avant en une seule partie, je schématise, hein, vraiment de type monobloc. Désormais, cela s'applique aussi pour le triangle arrière. Ensuite, les deux sont assemblés, ce qui crée le cadre. On conserve la technologie CCT+, qui consiste en un triangle arrière, en une seule partie, comme je viens de vous le dire, mais surtout en un seul tube de carbone. C'est-à-dire que vous prenez du haut des haubans jusqu'aux bases, c'est un seul et unique fil de carbone qui fait la pièce. Cela offre l'avantage de mieux disperser les vibrations, donc on gagne évidemment en confort, mais aussi en motricité. Ensuite, techniquement, c'est aussi l'arrivée du standard BSA fileté pour le boîtier de pédalier. Alors ça, c'est très bien, notamment pour la fiabilité. On sait qu'il y a quelques soucis, alors pas chez Origine, j'ai pas entendu parler qu'il y avait des problèmes, mais quelques constructeurs ont des problèmes avec les boîtiers press-fit, les boîtiers qui viennent s'emmancher directement en force dans le carbone. C'est une technologie qu'Origine utilisait jusqu'à présent, et Origine a fait le choix, comme d'autres marques, de revenir vers des plus classiques boîtiers filetés. Côté taille, Origine conserve le même nombre de tailles qu'auparavant, c'est-à-dire 6 tailles, XS, S, M, L, XL et XXL. Par ailleurs, le vélo est toujours disponible, comme tous les autres vélos de la marque, au configurateur sur le site internet. Alors on peut se demander pourquoi Origine a tant tardé, pour certains qui le pensent, à sortir ce nouvel Axom. Simplement parce que l'ancien Axom se vendait très bien, parce que l'ancien Axom était très bon, je peux vous le dire, parce que l'ancien Axom correspondait finalement à beaucoup de cyclosportifs qui étaient acheteurs de ce type de vélo. Et puis quand le Fraction est sorti l'année dernière, il a convaincu tous les cyclistes, ou en tout cas la majorité d'entre eux, qui désiraient un vélo aux lignes plus modernes. Donc partant de là, l'Axom a continué à vivre dans sa première définition. Voilà, bon, on est en 2023, le nouvel Axom est là. Ce vélo se devait de rester fidèle à l'esprit Origine, c'est-à-dire un vélo facile à emmener, un vélo confortable en toutes circonstances. Un vélo qu'on peut emmener à la fois sur le plat, dans les cols du Tour de France, mais aussi sur des pavés. L'Axom, c'est un vélo à tout faire. C'est un vélo qui se doit de correspondre à tout le monde, c'est-à-dire un vélo qui correspond à la fois à un cyclosportif, mais aussi à un coureur, à un coursier. Voilà, l'Axom, c'est le vélo parfait à tout faire chez Origine. Parlons chiffres, puisque c'est nouveau, Origine nous parle chiffres. Ce nouvel Axom 3 est censé disperser les vibrations 12% plus efficacement que l'ancien modèle. Je vous en parlerai tout à l'heure, je n'ai pas pu mesurer cela, et je vous parlerai de mes sensations en termes de confort, de maniabilité, de pilotage et de filtration des vibrations. Finalement, en regardant les lignes de ce nouvel Axom 3, on peut se rendre compte qu'Origine a fait un peu comme Porsche avec sa 911, ou pour rester dans le vélo, Pinarello avec son Dogma. Une évolution, mais pas une révolution. On conserve tous les codes stylistiques qui font de l'Axom l'Axom, c'est-à-dire une douille de direction légèrement en forme de sablier, c'est-à-dire un tube supérieur qui vient s'affiner au niveau du tube de sel, c'est-à-dire un cadre aux lignes fines, fluettes on peut dire, un cadre qui semble léger, un cadre qui semble vif et réactif. C'est tout cela qui caractérise l'Axom. Ce nouvel Axom 3 est disponible en deux versions, GTR et GTO.
La version GTR est un poil plus légère, elle bénéficie des toutes dernières technologies en matière d'unique matrix layup, je vous en ai parlé juste auparavant. La version GTO s'annonce comme un peu plus confortable. Au niveau tarif, une cinquantaine d'euros sépareront les deux châssis. Si vous comptez vous offrir cette Axom 3ème génération, comptez une centaine d'euros supplémentaires par rapport au précédent modèle à équipement égal. Comme toujours chez Origine, on peut configurer le vélo à volonté au niveau du montage, des équipements et de la couleur. C'est ce que j'ai fait avec ce vélo d'essai, qui est dans une configuration assez spéciale, avec un Rosso Fiorano en provenance de chez Ferrari, des roues full chrome 42 mm et un groupe Shimano Durace, dernière version. Alors je vous parlais de l'intégration de la câblerie. Deux choix sont possibles. Soit vous optez, comme je l'ai fait pour ce vélo d'essai, sur un combo monobloc en carbone qui fait passer la câblerie directement dans la douille de direction. Ou alors vous optez pour un cintre et une potence classique, entièrement réglable. Évidemment, il faudra opter pour une potence qui est capable de faire passer la câblerie à l'intérieur. Si vous vous posez la question du poids, Origine est arrivé à contenir nettement la masse de son nouveau cadre, puisqu'il affiche 850 g en taille M. Comme je vous l'ai dit, ce nouvel Axom 3 sera disponible uniquement en version à freinage disque. Mais rassurez-vous, pour les aficionados du patin, l'Axom RS Evo reste évidemment disponible au catalogue, il subsistera tant que des groupes à patins subsisteront chez Shimano, SRAM ou Campagnolo. Voilà pour ses principales caractéristiques. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce vélo, je vous invite à lire l'article juste ici sur notre site internet et je vous retrouve tout de suite pour l'essai de ce vélo. Parler du comportement de cet Axom 3 à chaud, c'est le cas. Alors cet Axom 3 sur la route et dans les chemins aussi, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais c'est aussi une grande nouveauté. Il est compatible avec des pneus jusqu'à 35 mm, ce qui de facto le rend utilisable dans les chemins. Là j'ai roulé avec des pneus en 28 aujourd'hui, qui sont mesurés à 31 mm, et ça passe très bien dans les chemins. Évidemment, c'est pas un gravel, hein. Mais on est dans une pratique all-road, ça aussi c'est une nouveauté. C'est ça qui rend l'Axom doublement intéressant, notamment à ceux qui peuvent se poser la question de leur usage. Il y a une liberté d'usage qui est assez intéressante, et ça va avec ces nouvelles pratiques. Donc sur la route, je vais commencer par là puisque j'y suis. Sur la route, ce vélo il est toujours exceptionnel. Il est plus confortable effectivement. Alors est-ce que c'est à mettre au crédit des pneus plus larges? Est-ce que c'est à mettre au crédit uniquement du cadre? Je pense que c'est un peu les deux. Voilà, Origine, je vous l'ai dit, annonce 12% de filtration en plus. C'est difficile à mesurer, en tout cas c'est ultra super et merveilleusement confortable. Ça c'est la première chose. Ouh, ça y est, j'ai mon souffle. La deuxième chose, c'est le rendement, la facilité, la rigidité. C'est merveilleusement... c'est deux fois, je crois que je dis merveilleux. C'est merveilleusement contrôlé. On sent que c'est bien étudié. On sent que le cadre n'est pas bridé, il n'est pas ultra rigide. Il s'est un peu rigidifié au niveau du boîtier de pédalier, au niveau de la douille de direction aussi. Il a une maniabilité qui est parfaite. Je vous ai fait des images à 80-90 km/h derrière notre fourgon de tournage. Ça bouge pas, ça bronche pas, le vélo reste ultra facile à tenir. Il n'y a aucun flottement, ça c'est très bien. Pour en revenir à la facilité d'usage et au rendement, je vous disais une rigidité savamment contrôlée, je pourrais dire. Que ce soit en côte ou sur le plat, en relance, à basse vitesse, à haute vitesse, il reste toujours facile à emmener. Et on ne sent pas qu'on bute contre une difficulté. Voilà pour ce qu'il en est du comportement de cet Axom 3 sur la route. Ensuite, dans les chemins, c'est une plaisanterie, c'est super facile à utiliser. C'est une rigolade en fait. On s'amuse, le vélo il passe, il n'y a aucun problème. Je vous dis, là j'ai des pneus en 28 qui sont mesurés à 31 mm en réalité. On peut mettre jusqu'à 35, regardez, il reste encore pas mal de place. Ça laisse entrevoir beaucoup de possibilités.
beaucoup de voyages, de beaucoup d'aventures avec ce vélo. Et finalement, c'est surprenant, il cadre à 850 grammes, un vélo ultra, ultra performant. Si on m'avait dit il y a quelques années qu'on aurait pu aller sur les chemins, sur les Strade Bianche, avec ce type de machine, je l'aurais pas cru. En tout cas, je vois l'ancien qui est juste là, l'Axom RSEVO à patin, qui reste disponible à la gamme. C'est clairement pas le. Ben voilà, du fait de son freinage à patin, on est limité en taille de pneu. 28, ce sera un grand max, c'est encore un réel 28. On peut pas envisager avec ce type de carte d'aller sur des chemins. Là, on peut, donc ça c'est bien. Au final, qu'est-ce que j'en pense de ce vélo? Est-ce que c'est un nouveau modèle pour un nouveau modèle? Ou est-ce que c'est un vrai nouveau modèle qui apporte quelque chose? Je pense que c'est un vélo qui apporte quelque chose. Il est plus confortable, je vous l'ai dit. Il est tout intégré. Il est plus moderne dans sa conception. Il reste fidèle à origine. Et en plus, c'est un vélo à tout faire. C'est un vélo pour partir à l'aventure. C'est un vélo pour aller grimper l'école. C'est un vélo, vous pouvez aller en Toscane faire les Strade Bianche. Il le fera super bien. En cela, c'est une réelle surprise. C'est une surprise aussi à ce tarif, quand on voit que la plupart des vélos ultra haut de gamme aujourd'hui dépassent les 15 000 euros allègrement. Là, je ne sais même pas si ce vélo, tout équipé comme ça en Durace DI2 avec les Fulcrum, je ne sais même pas si on arrive à 10 000 euros. Il faudrait que je regarde. Donc en cela, ça reste une bonne affaire. Et puis évidemment, on pourra le monter de manière moins onéreuse avec un groupe moins cher, avec des roues moins chères. On pourra évidemment profiter des caractéristiques de ce cadre à un tarif plus gentil, on va dire. Je l'aime bien ce vélo. Moi, j'étais convaincu, à vrai dire, par l'ancien Axom. Alors, je dis ancien, je devrais pas dire ancien puisqu'il reste à la gamme. En tout cas, l'Axom à patin. J'étais convaincu par l'Axom GT Arrivo et par l'Axom RSEVO. Je suis archi convaincu par cet Axom 3. Ça fait plaisir d'avoir un vélo pareil entre les jambes. Ça fait plaisir d'avoir un vélo qui n'est pas ultra bridé, qui n'est pas ultra rigide. Un vélo qui s'utilise facilement, on ne se pose pas de questions, ça roule, c'est super ultra agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup ce vélo. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ensuite, c'est dur de trouver du négatif à ce vélo. Je reviens à son comportement routier. Je me suis posé la question à savoir est-ce qu'un pur coursier pourrait utiliser ce vélo? Je vais encore rouler avec, je vais encore faire quelques kilomètres. J'ai pas assez roulé, je pense, pour répondre à cette question. J'y répondrai par l'affirmative ou par la négative dans mon super test qui sera publié dans quelques semaines. Je vous dirai ce que je pense par rapport à cette question. Est-ce qu'un coureur peut utiliser ce vélo? Je pense qu'elle mérite d'être posée. Le fraction sur origine est la réponse à mes. Je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai des amis qui ont vu ce vélo, qui sont coureurs, qui se posent la question de savoir si ce vélo vaut le coup pour eux. Je vais tâcher d'y répondre. Voilà, c'est une question qui reste en suspens. Je le trouve très facile, mais voilà, j'attends de vous répondre, savoir ce qu'il en est réellement de sa rigidité sous de très très fortes charges, notamment lorsqu'on roule en groupe à 50 à l'heure, qu'il y a une attaque et qu'on veut y aller. Là, il faut vraiment pouvoir compter sur le cadre au niveau de la rigidité. Et je répondrai à cette question par écrit dans quelques semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais... si jamais vous... T'as chopé ça où? Si... Si jamais il vous manque une info sur le vélo, vous pouvez retrouver le lien de l'article juste ici avec ses caractéristiques. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important. Et puis, je ne vais pas prendre un champignon, je vais prendre un bout de brioche. En plus, elle est assortie à la couleur du vélo.